C'est une déception qu'on partage. On partage la déception et la frustration de nos supporters. Ça, c'est la première chose. Et ça parle aussi de comment le football, c'est cruel. C'est une déception aujourd'hui parce que c'était un des objectifs primaires de la saison. Après, la saison, c'est trop long. Mais spécialement, c'est de comment cet sport, de comment avec la domination qu'il avait l'équipe. Ce soir, je crois qu'on a fait un match, qu'on n'a rien à reprocher dans l'attitude, dans les comportements de nos joueurs, dans les jeux en général. C'est dur, on est ancré toujours sur un projet. Le projet, ça ne change rien. Spécialement, on avait l'illusion de qualifier dans cette Ligue des Champions, au moins de continuer avec les prochains tours de Ligue des Champions, avec les playoffs, mais la vérité, c'est. C'est une grande déception, il faut penser à ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est un dommage. Je partage toute la frustration de tous les Marseillais ce soir, de tous nos supporters, spécialement parce que dans ces moments, c'est compliqué. On avait projeté en saison dans tous les différents scénarios, c'est une différence naturellement économique, aussi de prestige du club, qu'on avait tout le monde l'illusion pour tout le monde, pour nos supporters en première, pour tout l'effectif, pour nos sponsors. Ça change un peu la saison, mais surtout les projets, ça reste un peu les mêmes, spécialement parce qu'on avait acté avec un peu d'équilibre et de responsabilité qu'on doit avoir les dirigeants pour continuer avec nos saisons. Et spécialement, je crois qu'on a fait un très mauvais match d'aller. On a fait un très, très bon match ici aujourd'hui, avec toutes les différentes circonstances qui sont apparu pendant les matchs. Si on prend, je crois que l'équilibre des dirigeants, c'est toujours de bien analyser. Si on prend les 104 bancs, plus les temps additionnels, minutes de tous les éliminatoires, c'est une chose que je crois qu'on a subi en arbitrage dans les matchs aller difficiles. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont un peu limites, qu'on ne partage pas. Je ne sais pas si vous avez voir, si vous avez vu les pénalties à Matteo, aussi, il y a une action similaire, dernière action du match, mais on ne va pas rentrer dedans, spécialement parce que je crois que finalement le football, c'est toujours il y a une sorte de justice, mais il y a toujours la crudité de cet sport que dans des soirées comme aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. Je crois que nos idées, ça ne change pas beaucoup de ce qu'on voulait faire d'ici jusqu'à la fin du mercato. Ça change un peu, surtout comment dire, de l'attirance qu'il y a à la Ligue des Champions pour recruter des différents joueurs. Mais finalement, avec ce qu'on a fait, on pose les bases pour chercher de continuer à faire une saison solide. Penser maintenant, depuis cet échec et cette déception à l'Europa League, c'est compliqué. Je crois qu'on doit se remettre tout de suite, vendredi à Metz, chercher de continuer avec notre saison. Après, on commencera à penser dans les prochains jours dans l'Europa League, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est plutôt la déception et la frustration qu'on a vécue aujourd'hui que ça nous tient dans la tête.